terme. Et finalement, qui va payer? C'est-à-dire qui va payer cette dette d'aujourd'hui et permettre d'investir dans les infrastructures de demain. Donc nous avons mené un certain nombre de campagnes, je pense en 2010-2011. Oui, c'est ça. Donc autour de cette question, c'est-à-dire eh bien, comment éviter une génération sacrifiée face à d'autres qui, évidemment, ne connaissent pas la crise. On avait présenté le bilan de ces travaux à Ludwigsburg, à François Hollande qui venait d'être élu et à Angela Merkel dans un opuscule qui est disponible, lui pour le coup, gratuitement sur le site internet de Sauvons l'Europe. Et puis on a continué quand même à travailler parce que, bien vous l'avez vu, le chômage est toujours important pour les jeunes. La croissance ne redémarre pas en Europe et les inégalités continuent de s'accroître. On a prolongé le débat en investissant le champ de la désertion fiscale et c'est la campagne qu'on a lancée l'année dernière sur la désertion fiscale des multinationales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre que des sociétés, des multinationales, eh bien, ne payent pas leur juste part d'impôts. L'idée était quand même sans doute assez raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que les entreprises payent 120% d'impôts sur leurs bénéfices, mais tout simplement qu'ils payent comme payent les particuliers et comme payent les PME. Donc nous avons mené une pétition qui a plutôt bien marché, parce qu'on n'est pas loin là des 20 000 signataires, et on a demandé eh bien, aux administrations nationales et aussi à l'Europe de travailler à cette question pour faire en sorte que les entreprises payent leur juste part d'impôt. On a déposé un amendement au Sénat qui avait été voté quasiment à l'unanimité du Sénat d'ailleurs et qui a été ensuite rejeté par l'Assemblée nationale au prétexte qu'on ne pouvait pas imposer, enfin, que justement l'Europe et l'OCDE travaillant sur ces mesures au niveau européen, on ne pouvait pas les imposer au niveau national, parce que finalement, ce ne serait pas très très sympathique tout ça. Alors que nous, on pensait qu'au contraire, le rapport de force, il se fait justement en disant voilà ce que nous, on peut faire au niveau national, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire au niveau européen, sachant que ce n'est pas la dernière ironie de l'histoire, c'est que c'est ce qu'on a proposé, c'était plus ou prou ce que ont fait le gouvernement conservateur en Grande-Bretagne. D'ailleurs, qui est même allé encore plus loin dans sa dernière loi de finances, qui revient à peu près à dire on baisse le taux d'impôt sur les sociétés, mais par contre, on met fin à toutes les niches fiscales dans lesquelles elles sont concernées. C'est-à-dire, halte à l'hypocrisie, qui consiste à dire, comme en France, on met un taux d'imposition sur les bénéfices de 33%, mais au final, certes, le boucher ou la PME à côté de chez vous paye ses 33%, ou à peu près. Par contre, la grande multinationale, elle, évidemment, au final, elle va payer que 7, 8 ou 10% parce qu'elle a tout un jeu d'évasion fiscale, de release, ou comme on vient de voir d'ailleurs avec l'actualité récente, de sociétés offshore au Panama ou ailleurs. Donc cette hypocrisie, évidemment, elle n'est pas acceptable parce que pendant ce temps-là, cet argent, évidemment, il ne sert pas à financer les infrastructures, à financer les hôpitaux, à financer l'éducation. Ce qui est en plus une vision à courte vue, parce que les sociétés, quelle que soit leur taille, elles ont besoin de salariés bien formés, éduqués déjà d'abord, ensuite bien formés et en bonne santé. Et ensuite, qu'ils puissent prendre des routes, où il y ait de la fiabilité dans les services publics, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, quand même accessoirement, dans ce beau raisonnement, qu'il y a toujours des sociétés qui s'établissent en France ou dans les pays nordiques où le taux d'impôt est objectivement en effet beaucoup plus élevé qu'en Bulgarie. Mais sauf que un entrepreneur aller en Bulgarie, il dit certes avoir une filiale là-bas, mais enfin m'y installer avec femme et enfant, j'ai pas trop envie parce que le système de santé c'est pas terrible, les écoles non plus, pour aller en vacances les routes ou les aéroports et je parle pas des gares, etc. Donc c'est ce qui fait quand même aussi l'attractivité d'un pays, c'est aussi la qualité de ses services publics. Donc voilà, donc ça c'est le raisonnement qui chemine. Et on a continué en se disant finalement on voit bien que malgré toutes les politiques qui sont menées ou qui ne sont pas menées, finalement aujourd'hui, et notamment la gauche européenne, a du mal à trouver la pierre philosophale.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, on se dit, bon, bah, la répartition des richesses, c'est compliqué. On voit que, par exemple, typiquement, ce qui se passe en Allemagne, c'est que bah, finalement, Angela Merkel a accepté la mise en place d'un SMIC. Et finalement, bah, on n'arrive plus à trouver un angle d'attaque. Et ce qui fait que, sur l'angle économique et social, la gauche aujourd'hui n'arrive pas à tenir de nouveaux discours. Et sur les aspects sociétaux, là, on a deux possibilités. Soit on va au bout du bout, et c'est un peu ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire on fait le mariage pour tous, etc. Soit on est, et d'ailleurs, malheureusement, c'est aussi ce qui est en France, soit on tient sur les lignes droitières, voire d'extrême droite, sur les questions des migrants, où en fait, on dit clairement pas de réfugiés chez nous. Bon, tout ça avec des résultats quand même assez pitoyables, vu qu'on voit bien quand même que, de point de vue électoral, la gauche disparaît peu à peu d'un certain nombre de pays en termes de résultats électoraux. Et là où elle se maintient, c'est soit une gauche plus radicale qui remplace la vieille gauche social-démocrate, comme on l'a vu en Grèce, en Espagne, ou bon, avec quelque chose de plus modéré, mais enfin qui émerge au Portugal. Ou par contre disparaît complètement du Parlement, comme il y a eu en Pologne, comme c'est très compliqué aussi dans tous les pays de l'Est. C'est-à-dire où finalement le choix est plus le droit entre une extrême droite dure, une droite nationaliste et une droite plutôt libérale. À côté de ça, la gauche, soit elle est plus présente au Parlement, soit justement elle est un peu la béquille d'une droite plutôt libérale et modérée, mais pour ça parce qu'elle n'arrive plus à porter de discours. Donc on a réfléchi à Selon l'Europe et on s'est dit qu'est-ce qu'au niveau européen on pourrait porter comme idée nouvelle qui permettrait de réconcilier les forces progressistes avec les classes populaires. Alors bien évidemment, je reviens sur ce que je disais sur l'Europe de l'Est. C'est évident que c'est pas parce que vous vous appelez Parti social-démocrate que vous êtes forcément partie de la famille, parce que pour nous c'est clair que ce que fait Fico en Slovaquie relève évidemment d'une politique au mieux de droite populiste ou au pire d'extrême droite, avec d'ailleurs extrême droite qui n'hésite pas à associer à son gouvernement. Donc quel discours aujourd'hui la gauche pourrait porter d'un point de vue économique et social? Et donc on s'est penché sur la question du revenu d'existence. C'est-à-dire que vu que personne n'est capable de sortir de nouvelles idées, d'apporter des solutions concrètes justement à ce développement des inégalités et à cette précarité qui frappe la jeunesse, aussi au fléau du chômage. Alors, on arrive à résoudre le fléau du chômage en dérégulant, d'ailleurs c'est un peu le pari que fait le gouvernement en France, hein, en disant qu'on va complètement libéraliser le marché du travail et on créera des emplois précaires, et finalement mieux vaut un emploi précaire que pas du tout de travail. Sauf que, on le voit, c'est ce qui se passe un peu en Espagne, finalement on reconstruit sur du sable, et à la première crise venue, évidemment, tous ces emplois précaires vont retourner au chômage. Donc on a décidé d'aborder, et Bernard m'envoie un message pour me dire qu'il termine à pied, il va arriver, dans quel état, je ne sais pas, mais il va bientôt arriver. Et donc on est arrivé quand même à cette histoire du revenu de base. Parce qu'à un moment, c'est là où on rejoint aussi la question européenne, c'est que l'Europe est populaire quand elle apporte une vraie plus-value. C'est-à-dire que l'Europe, ça marche quand ça se voit. L'Europe, en soi, évidemment, soit vous faites partie des gens plutôt éduqués, plutôt des milieux aisés, ou tout de suite la plus-value européenne, vous la voyez. Quand vous pouvez faire... Alors, je ne dis pas forcément que vous le faites, mais quand vous savez que vous avez la possibilité de passer un semestre d'études en Erasmus dans un autre pays, que quand vous allez passer des vacances au Portugal ou en Espagne, vous avez la même monnaie, que, alors si Schengen n'est pas encore complètement bousillé, que quand vous voulez aller passer un week-end à Bruges et ben, ou à Bruxelles, et ben, c'est pas compliqué, vous passez les frontières et finalement c'est plus simple de faire Lille-Bruges que Lille-Toulouse, finalement vous voyez une plus-value. Quand vous bénéficiez des fonds structurels ou de la PAC, etc., vous voyez la plus-value européenne. Quelque part, quand vous êtes comme la situation des Polonais, où vous vous dites, mais finalement, l'Europe, c'est quand même un minimum de cadre d'état de droit et de respect des droits humains, éventuellement, vous voyez la plus-value européenne.
Par contre, et ça rejoint la dernière réunion qu'on a eue à Sauve l'Europe avec notamment Édouard Martin, quand vous êtes ouvrier chez Mittal dans une usine où finalement vous voyez que finalement on ne vient pas vous aider, hein, qu'on vous laisse crever la bouche ouverte, finalement vous dites l'Europe, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Et voire même quand vous avez des gens qui vous disent mais tout ça, c'est la faute de l'Europe, finalement vous. Vous dites, voilà, un nouveau bouc émissaire, ça change. On avait l'habitude de dire que c'était la faute des immigrés, voire du grand capital. Et bien maintenant, on nous explique que tout ça, c'est la faute de l'Europe. Donc, ce qui évidemment est en partie faux, puisque l'Europe n'est que ce qu'on veut bien en faire. Et l'Europe n'est pas par essence, comme on entend souvent, néolibérale. Elle est néolibérale tout simplement parce que d'une part, c'est quand même la droite qui gagne les élections au niveau du Parlement européen, et d'autre part, ce sont les néolibéraux qui portent le combat au niveau des institutions européennes. Parce qu'eux, ils ont un vrai discours à vendre, ils ont une vraie idéologie, et ils savent de ce qu'ils veulent faire de la société. Malheureusement, en face, les forces européennes sont éparpillées, divisées, et soit n'ont pas de discours clair sur ce qu'ils veulent faire, je pense aux réformistes, soit souvent sont que dans l'incantation et dans l'opposition un peu haineuse justement aux forces plus modérées qui caractérisent la gauche radicale. Donc résultat des courses, finalement tout ça n'avance pas et vers qui se tournent les gens qui subissent les politiques à la fois austéritaires et libérales, et bien ils se tournent vers l'extrême droite, vers le repli national, vers le rejet de l'autre. Et on voit que ça n'épargne pas ce que je disais tout à l'heure, hein, même les forces social-démocrates qui nous expliquent peu ou prou maintenant que le plus grand péril qui guette la France, c'est des femmes qui mettent un voile autour de leur tête. Alors, en bon marxiste que je ne suis pas, je pense quand même que le principal problème est économique et social, et que quand on est dans un pays qui a 10% de taux de chômage de manière structurelle depuis 40 ans, c'est-à-dire deux générations, qu'on a plusieurs quartiers, voire plusieurs villes en France qui sont dans un état de misère totale, évidemment, de ça, on ne peut sortir rien de très bon. Donc, le revenu de base, si Bernard pouvait arriver maintenant, ça m'arrangerait. Le revenu de base, on se dit, mais finalement, est-ce que ça ne peut pas être la solution? Alors, je suppose que vous êtes comme moi, vous lisez beaucoup Alternatives économiques. Alternatives économiques, en fait, pour l'instant, ils n'ont pas répondu à la question, parce que le revenu de base, finalement, tout le monde peut être pour, à la fois l'extrême-gauche et aux plus libéraux. Pourquoi tout le monde peut être pour? C'est parce... Alors, une des raisons, c'est que ça dépend à quel niveau vous fixez le revenu de base, sachant qu'on part quand même bien du principe que le revenu de base remplace toutes les allocations et aides diverses et variées existantes. Alors évidemment, si vous mettez un revenu de base à 400 euros pour tous, c'est sûr que là, les libéraux, ils vont être contents parce que finalement, quand vous cumulez, ne serait-ce que par exemple le RSA est plus élevé que ça, etc., enfin quand vous cumulez l'ensemble des aides, vous arrivez à beaucoup plus. Donc évidemment, les libéraux, vont dire que c'est formidable. Et puis en plus, ça encourage les gens aussi à travailler, parce que comme tout le monde touche les 400 euros, après tout, si vous pouvez vivre que 400 euros par mois, c'est très bien. Et si vous travaillez, vous avez ça en plus, et donc il n'y a pas de souci. Si vous mettez le revenu de base à 1500 euros, là, évidemment, c'est plus du tout la même chose, vous le comprenez bien. Donc, on a ce débat sur le curseur, à combien on passe, et puis surtout, aussi, comment on le finance. Parce que c'est bien de distribuer de l'argent, mais où est-ce qu'on le prend? Donc là, c'est pareil, il y a ceux qui disent, finalement, la Banque Centrale Européenne, plutôt que de fournir de l'argent aux banques qui finalement ne reprêtent pas aux entreprises, et pourquoi pas directement le donner aux citoyens. D'autres, ce serait finalement, quelque part, à coût constant, on s'y retrouve. Finalement, une fois qu'on supprime le montant des aides, plus les frais de gestion, de dossiers, etc., finalement, on peut s'y retrouver. Donc, la question, elle est... Est-ce que donc c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça, c'est le thème de la réunion ce soir. Et ensuite, et ce qui nous intéresse, parce qu'on est quand même une association européenne, c'est finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être l'occasion pour... parce que je rappelle quand même qu'en 2017, il y a des élections en France et en Allemagne. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aboutir à ce que Sauve l'Europe fasse son cheval de bataille pour 2017, des deux côtés du Rhin, et donc au niveau européen, en disant, mais que l'Europe mette en place...
Alors, éventuellement, en passant d'abord par la France et par l'Allemagne. Bernard, tu arrives pile poil au bon moment, je finissais mon introduction de 2h30. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, finalement, un revenu de base au niveau européen qui permettrait de montrer bien que l'Europe, finalement, permet de lutter contre la précarité, contre la misère? Et est-ce que ce revenu de base, et là je commence un peu à donner des pistes, ne pourrait pas se concentrer, finalement, au début, sur certaines catégories de la population? Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un revenu de base, par exemple, pour les jeunes, ce qui permettrait de financer une formation, l'aide à se loger, un complément au premier salaire, qui sont souvent faibles quand on commence à travailler, etc. Et éventuellement aussi à l'autre bout de la chaîne, qui pourrait être les retraités, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de pays européens où le montant des retraites est très faible et ne permet pas de subvenir à ces besoins. Donc voilà un petit peu les attendus du débat et l'historique qu'on arrive ici, parce que c'est ce que vous remarquerez, mais enfin ceux qui nous connaissent bien savent que c'est le cas, c'est que quand on travaille sur un sujet à Seconde Europe, c'est quelque chose qui vient quand même d'un raisonnement. Voilà, c'est pas, on ne regarde pas par la fenêtre quel est le sujet du moment pour s'y intéresser. Et donc, voilà comment on va essayer ce soir, avec l'aide de Bernard, dont je remercie de sa présence, et bien un peu de poser les attendus du débat. Et puis ensuite, parce que ce soir, ce n'est qu'une première étape, essayer de voir si on admet que le revenu de base est une bonne idée, de voir quelle est la proposition qu'on peut avoir de manière crédible et de manière évidemment progressiste. Bernard, je te remercie de ta présence ce moi, soir. C'est moi qui te remercie pour l'invitation et qui vous remercie d'avoir patienté. Et je te laisse la parole, alors sachant qu'on va enregistrer... J'ai eu quelques difficultés de travailler. Oui, j'ai dû finir à pied parce que je désespérais d'arriver dans les temps. Bon. Alors, en essayant de se remettre les idées au clair. Respire une minute, hein. Je voudrais partir d'une citation de quelqu'un qui a un rapport à l'Europe, puisque c'est Saint-Simon, l'auteur d'un projet utopique de parlement franco-anglais, d'ailleurs, entre autres, et qui aurait dit « il faut remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses ». Alors, c'est une formule qui a eu son heure de gloire aussi à la naissance de la Russie soviétique, puisque je crois que Lénine a utilisé la même expression. L'économisme marxiste, d'abord, et la science économique de l'autorégulation, les economics, comme on dit, sont allés, je dirais, l'un et l'autre, jusqu'au bout de cette prescription. C'est-à-dire jusqu'à la marchandisation des hommes. Et aujourd'hui, gouverner les hommes, c'est déjà administrer les choses. Non que le gouvernement des hommes soit devenu superflu, mais parce que les hommes sont devenus des choses. Et, bon, de mon point de vue, l'humanité n'a aucune chance de survie si elle n'inverse pas cet ordre-là, c'est-à-dire le primat économique, qui est intenable. Et sauver l'Europe, puisque c'est à l'ordre du jour ici depuis des 2005. Années, voilà, c'est sauver le fil conducteur de son histoire qui a conduit de l'esclavage à son abolition, du servage à son abolition, pour continuer peut-être jusqu'à l'abolition du salariat. C'est achevé de substituer à l'homme marchandise l'homme citoyen. Né là aussi, et c'est pas un fil conducteur, sur l'agora, puis sur le forum, déclaré dans ses droits par les révolutions anglaises, américaines, puis de l'Europe et françaises. Alors, je dirais que, à l'européen que je suis, détacher le travail, détacher du travail l'acquisition des ressources nécessaires à une vie décente, apparaît comme l'aboutissement de ce long voyage, à la fois économique et politique.
et dont le retentissement a été universel. Alors c'est pourquoi je crois qu'un revenu suffisant, j'insiste sur le mot suffisant, attaché sans condition à la citoyenneté, doit être la base d'un nouveau contrat social dont Fabien anticipait quelque peu la donne, consacrant le primat de l'homme sur la chose et du politique sur l'économie. Alors plus pratiquement, pratico-pratiquement, je dirais, en appliquant ce schéma à l'Union européenne, sauver l'Europe, ça peut être à la fois aujourd'hui, désormais, lui épargner le trop d'économisme technocratique qui a prévalu depuis 1957, après l'échec de l'Union politique, voulu refuser par ce pays, et la dérive laissez-fériste qui a mis les banques privées au pouvoir depuis la longue fin de Bretton Woods de 1971, déstabilisation des champs jusqu'en 1999, liquidation définitive de la Glass-Steagall Act des États-Unis avec les répercussions qu'on connaît partout dans cette période. Et cette période où le citoyen, finalement, a été très largement évincé. Il l'était déjà depuis l'échec de l'Union politique. Je parle ici de l'Europe. Alors, je pourrais plaider aussi pour un revenu de base en tant que représentant, en tant qu'économiste, mais pas n'importe quel économiste, en tant que représentant de l'économie politique. J'ai commencé ma carrière par une thèse renvoyant de Wadeau. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'économisme marxiste, qui avait dévoyé la pensée de Marx, et les economics néoclassiques, qui prétendent justifier l'individualisme de compétition et l'organisation mondiale du retrait de la puissance publique par rapport à la chose publique. Et je ne me suis jamais éloigné beaucoup dans cette ligne de l'admirable. D'aspiration keynésienne à ce qu'il appelait, dans la foulée du moraliste Moore, la bonne vie, the good life. Enfin, troisième raison, parlons de moi, je suis fédéraliste. Et je me souviens qu'Alexandre Marc, dont je suis loin de partager toute la pensée, fut tout à la fois l'un des fondateurs de l'Union européenne des fédéralistes, aux côtés d'Altiero Spinelli, d'Henri Frenet et des Gogol. Et l'un des avocats, depuis les années 30, d'un revenu minimum garanti à tous, qu'il voyait comme une exigence centrale d'une société intégrant les principes d'autonomie, de participation, de coopération et de subsidiarité. Alors maintenant, sur le revenu de base en lui-même, je dois avouer une grande incompétence. Si je devais me comparer à d'autres. Et je n'ai en vérité rien écrit sur la question, hormis un petit papier dans une feuille aujourd'hui disparue dans les années 90 qui s'appelait Transversal, et quelques lignes dans un pamphlet publié au nom d'Europe 99, un avatar fin de siècle du groupe des 10. Mon ambition, donc, ici, c'est bien plutôt tenter d'animer une discussion, et je m'abriterai pour ce faire derrière un petit livre, d'ailleurs que j'ai pris ici, mais dont je risque d'avoir besoin, alors je vais le prendre. Un livre de Baptiste Milondo, qui est un jeune universitaire lyonnais. Quand je dis lyonnais, c'est pas parce que je suis lyonnais, mais parce qu'il est là, et que nous avons été collègues, sans se connaître d'ailleurs, à Sciences Po Lyon. Voilà. À mon avis, c'est aujourd'hui de toute la littérature que j'ai pu consulter ces dernières années, le petit livre le plus pédagogique d'une part et le plus équilibré parce qu'il confronte toutes les thèses en présence sans.
je vais en toute objectivité, même s'il affirme ses préférences sur telle ou telle solution. Évidemment, ça ne remplace pas la lecture des travaux fondateurs, par exemple, de Philippe Van Parijs, ce philosophe économiste, peut-être né de la fois, belge, qui de Bruxellois d'ailleurs, hein, voilà, qui est vraiment le pape du Renoupas, en quelque sorte. Il partage avec d'autres la responsabilité, la fondation d'abord, la responsabilité du BIEN, qui est le Basic Income Earth Network, le réseau mondial du revenu de base. Je pense en particulier à un de ses collègues britanniques, Guy Standing, qui est un des spécialistes de la précarité et qui a écrit aussi beaucoup sur le sujet. Voilà. Alors, moi, avant de reconnaître l'état de l'opinion que vous représentez, c'est-à-dire, est-ce que parmi vous, on pourrait savoir dès maintenant qui est pour un revenu de base et qui est contre un revenu de base, qui croit que c'est une bonne idée et qui croit que c'est une mauvaise idée. Ça permettra de refaire la même expérience à la fin et de voir si ça a bougé. Les spécialistes de démocratie délibérative qui ont inventé les sondages participatifs procède à ce genre d'expérience. Alors, qui croit que c'est une bonne idée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'impression qu'il y a une auto-sélection des participants. Oui, bon, effectivement. Ils sont là, non, mais on peut pas accepter. Est-ce que vous avez... Mais il y en a d'autres, hein. Oui, il y en a d'autres. Voilà, donc, a priori, qui est indécis, totalement indécis? On ne peut pas savoir tant que vous ne nous avez pas expliqué. Oui, alors, non, mais c'est pour savoir, justement. Hein, vous savez très bien que l'idée circule. Donc, vous en avez tous eu un petit peu écho. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'en principe, il y a ici une majorité de gens qui considèrent que c'est une bonne idée et d'autres qui considèrent qu'ils n'ont pas les éléments pour en juger. Il y a peut-être aussi des gens franchement hostiles. Voilà, bon, alors on va Puis quand on part du principe qu'on va te donner de l'argent, c'est dur d'être foncièrement hostile. Je sais bien. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais peut-être rappeler qu'une bonne raison d'être indécis, c'est qu'il y a pléthore de formules, y compris dans la dénomination. Milando inventorie l'ensemble des formules utilisées pour le revenu de base, revenu de vie, revenu d'existence, dividende universel, dividende citoyen, revenu de citoyenneté, revenu social garanti, revenu universel d'existence, allocation universelle, dotation inconditionnelle d'autonomie, ou encore impôt négatif sur le revenu. Donc, toutes ces formules, évidemment, abritent une conception particulière, parfois de droite, parfois de gauche, une conception qui, évidemment, est marquée par les préférences des auteurs qui l'utilisent, et il y a à cet égard de Thomas Moore, pour commencer, à Philippe Van Parijs, pour finir, vraiment un éventail très riche dans lequel on peut trouver des libéraux comme Milton Friedman, des néo-libéraux en l'occurrence, et André Gorz, par exemple. Hein? Bon, donc c'est tout un éventail, et aussi, je vais citer, les fédéralistes. Voilà. Bon, alors c'est dire que nous sommes en présence d'un sujet qui ne fait pas l'unanimité sur une configuration précise, mais qui en tout cas fait l'unanimité sur le principe ou la nécessité d'une telle révolution, car il s'agit d'une révolution, à mon avis, assez extraordinaire. Bon,
Maintenant, on pourrait peut-être, si, puisqu'il s'agit d'animer un débat et pas seulement de savoir si parmi ceux qui sont qui ont déjà une idée du revenu de base et qui sont déclarés positifs, quelles sont les raisons, quelle est la raison principale que chacun a de penser que c'est une bonne idée. Ce serait intéressant de faire ce tour de table très rapidement. Alors, on commence par là cette fois. Oui, d'accord. Le chômage, toujours 10% de chômage, comme il a dit. L'augmentation des emplois précaires du style Uber, enfin l'ubérisation de l'économie. Et oui, donc tous ces emplois qui vont disparaître dû à cette nouvelle économie qui est en train d'apparaître et que forcément ces gens-là ne vont pas avoir de revenus. Mmh. D'accord. Alors moi je suis indécis. Parce que d'une part, effectivement, je pense que c'est une bonne idée parce que ça assure donc des revenus minimum à chacun. Donc, dans une construction humaniste de la société, c'est pas bien. Par contre, je crains qu'il y ait une vision un petit peu. Ce qui me gêne, en fait, c'est d'avoir un revenu sans travailler, sans contrepartie. Oui, sur deux choses différentes. Et donc, ça me gêne parce que on peut en craindre un impact négatif sur l'économie. Et donc, par la suite, on aurait du mal à financer la mesure. Un autre aspect positif, c'est peut-être qu'on finirait avec l'usine à gaz des aides sociales actuelles, qui en fait, on voit bien, ne résout pas le problème de la pauvreté et même peut-être l'aggrave. Voilà, en gros, ce que j'en pense. Moi, je suis indécise pour l'instant. Et si j'ai une autre question que celle qui vient d'être évoquée, c'est peut-être la question de l'atomisation des gens par ce système, dans la société. Il y a ceux qui ne sont pas déjà atomisés. Ça risque de entériner. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est peut-être un remède à un état de fait qu'on ne cherche plus à changer, à un état de société qu'on ne cherche plus à améliorer, et qui laisse peut-être, je ne sais pas, je me pose la question, les gens dans un état d'atomisation assez prononcé. C'est un peu paradoxal, puisque c'est quand même une mise en œuvre d'une solidarité universelle. Oui, mais vous voyez que, par exemple, les syndicats, la gauche, je suis le sujet actuellement, je commence à défricher le sujet. C'est ça qu'à gauche, il y a des gens qui sont et ils sont très sceptiques. Voilà. Ensuite Moi, c'est plutôt. Je brancherais plutôt pour une bonne idée, mais ça permettrait peut-être de trouver une meilleure base entre tous les pays européens. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir déjà, c'est qu'est-ce que vous entendez, disons, dans chaque pays, les différents revenus de base. Est-ce que dans chaque pays, on a la même... D'accord, ça c'est une question, donc on y reviendra. Monsieur ? J'arrive, donc je ne sais pas trop ce qui a été dit. Je posais la question, si vous ne l'avez pas entendu, à chacun de dire quelle est la raison pour laquelle il est pour le revenu de base, s'il est pour le revenu de base, évidemment. Jordan Salboun, je suis largement pour le revenu de base, tous les autres noms qu'il peut avoir. À mesure où je pense que dans une société qui est bloquée et qu'il faut trouver un moyen de la débloquer, le revenu de base est une des possibilités, à côté de deux autres, à mon avis, qui est ce qui est en train de se passer plus ou moins en ce moment, la redistribution des revenus, des richesses, et la démocratie. Mais le revenu de base permettra les deux. Nous autres aussi, avec tout ce que je ne vais pas rappeler, la simplification, les impôts, enfin, il n'y a plus besoin de transformer le loi travail. D'accord. Bon, moi, j'ai dit que j'étais indécise parce que je ne suis pas assez informée, ni de ce que vous avez dit encore, par exemple, est-ce que c'est à partir de la naissance, revenu de base, toute la vie et sans condition. Et moi, je crois que
enfin pour moi pour l'instant, c'est un aspect des choses, mais il y a besoin de changer beaucoup plus les structures du monde du travail, c'est-à-dire que, étant donné, je m'avance peut-être beaucoup, mais enfin, étant donné l'allongement de la vie maintenant, étant donné l'influence de la numérisation du digital sur toutes les professions, sur toute la vie professionnelle, tout ça, ça va modifier les données de base, je pense, de la société. On ne peut pas imaginer une société où les gens travailleraient de 30 ans à 60 ans, puis seraient à la retraite de 60 à 90 ans, c'est-à-dire une période égale de travail. L'allongement de la durée de la vie, c'est pas mal. Voilà. Et j'ajouterais que pour moi, il faudrait dissocier le mot travail du mot activité. Alors l'appeler autrement, activité professionnelle, activité rémunérée. Donc j'entrevois des tas de modifications structurelles profondes où le revenu de base pourrait prendre sa place. Moi, je suis aussi pour, mais je exactement dans les mêmes termes que Valère. C'est une idée qui doit aller avec beaucoup d'autres, qui va s'enraciner dans un changement plus systémique. Je rejoins aussi monsieur sur l'aspect de redessiner une nouvelle citoyenneté. Je ne vais pas défiler tous les... D'accord. Mais grosso modo, je rejoins ce qui est un peu plus. Oui, alors, étant membre du mouvement français pour un revenu de base, je suis bien évidemment pour. Je ne suis pas la seule, hein, mais... Donc oui, on est pour, on a plusieurs arguments en faveur aussi, qui ont déjà été énoncés. On pourrait y passer plusieurs minutes, mais on a peut-être oublié de dire aussi la question du choix. Du choix de vie, de vouloir travailler à plein temps, à mi-temps, voilà, c'est aussi un argument. Alors pour moi, donc, en trois mots, liberté, égalité, fraternité, je pense que tout est là. Mais puisqu'on est sur la question d'un base européen, j'ajouterai un peu quelque chose qui n'a pas été dit, c'est à mon avis vraiment l'idée de construire l'Europe sociale, parce qu'on a besoin, et notamment dans la zone euro, où il faut qu'il y ait une harmonisation fiscale et sociale, et donc des transferts de richesses entre, en gros, la Grèce et l'Allemagne. Et s'il y avait eu ça en place, probablement qu'on n'en serait pas là. Et donc on veut construire l'Europe sociale, mais on ne veut pas construire un méga welfare state, un méga état providence où Bruxelles va dicter les barèmes des assédiques partout en Europe. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc le seul moyen de faire un état, une vraie redistribution des richesses au niveau européen et un état et une protection sociale européenne qui fasse du sens, c'est en ayant le système le plus simple et le plus transparent possible. Donc revenu de base européen. Oui. Pour également, et cher Bernard Barthélet, je vous remercie de ce que vous avez dit sur ce livre de Baptiste Mélando, je suis responsable des éditions Utopia, qui a publié ce livre. Donc nous sommes au niveau du mouvement Utopia, pas seul, favorable, et nous travaillons sur ce sujet depuis une dizaine d'années environ, au moins, dans l'affiliation d'André Gortz, que vous avez cité également, que nous avons bien suivi, et c'est intéressant de voir comment les métamorphoses du travail, je pense, 77A, ces derniers livres, il a évolué beaucoup sur ce sujet. Oui, nous sommes pour, en sachant qu'il y a beaucoup de pièges, en sachant qu'en réalité, entre les différents revenus de base, qui ne correspondent pas forcément aux appellations, parce que ça, c'est un peu flou, il y a parfois des différences, non pas de degré, mais de nature. Mm-hmm. Il est sûr que, si vous nous avez posé la question, quels sont les objectifs, bien sûr, il y a une volonté de réduire l'extrême pauvreté et la misère qui sévit un peu partout dans nos pays, aussi dans nos pays développés. Il faut réduire absolument les inégalités sources de beaucoup, beaucoup, effectivement, de travers. Et puis, il y a cette émancipation, l'émancipation du travail marchand, bien évidemment, parce que, revenons pas, si on rentre dans le débat sur travail-activité, ça peut nous amener, effectivement, assez loin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le travail marchand comme source d'activité, autrement, ben, il n'y aurait pas de travail, il y a son travail bénévolat, d'associatif, de politique, on ne serait pas là, déjà, effectivement. Donc, pour pouvoir libérer du temps pour la citoyenneté, il est important, effectivement, d'avoir une base. Et là-dessus, je suis vraiment désolé, on a une réunion de vous quitter. Mais l'Europe nous intéresse beaucoup, parce que c'est vrai que
c'est vrai que ça doit être au niveau européen. Alors ça pose encore plus de questions, bien évidemment. Oui. Et ce débat, et le débat que vous allez avoir, vous allez en voir, est certainement passionnant. Merci. 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 Alors, moi je suis pour, avec quand même plein d'interrogations, en sachant que dans les années 70, j'avais lu un livre provocateur qui s'appelait Travailler 2 heures par jour, qui posait déjà la problématique d'une autre forme de société. Alors, au niveau européen, maintenant, aujourd'hui, oui. Je pense qu'effectivement, il y a la part activité, la partie travail, et qu'en conséquence, il y aurait la nécessité, surtout l'informatisation de la société qui va au tronc. Donc là, on voit, par exemple, on doit changer complètement. Donc il y a bien une révolution qui est déjà en boîte, et passera inévitablement par un minimum actif de revenus avec des compléments pour vivre. Et avec d'autres activités autour qui n'est autre que le travail obligatoire en fait. Moi je suis indécis, je suis comme un certain nombre de personnes ici, parce que je pense, dans l'état actuel de mes connaissances, je ne vois pas comment ça pourrait résoudre le chômage. C'est une première question. Seconde question, c'est que... C'est pas l'objet. Comment ? Je dis c'est pas l'objet. C'est pas l'objet, mais c'est quand même, quelque part... Ça supprime le problème. Le second problème, c'est que j'ai peur que ça soit un petit peu un hélicoptère monétaire, comme on en a parlé il y a six jours dernier. Et ça, je trouve que c'est très... C'est pas bon. La troisième chose, je reviens sur ce que disait ce monsieur, le revenu sans contrepartie, ça me dérange un petit peu. Et par contre, ce qui est vrai, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment creuser, c'est de voir comment ça peut aider à réduire, comme disait monsieur, les inégalités qui se creusent. Mais je ne pense pas que c'est pas avec 300 ou 400 euros qu'on va résoudre. On sera à plus. Peut-être, ouais. C'est ça, peut-être Bernard, pour, ouais. Parce que comme il nous reste à peu près une heure là, de temps, ouais. Peut-être couper la bande arrive au milieu de la salle, ouais. Qui s'est exprimé sur ce sujet, après on fera la deuxième moitié de la salle sur d'autres questions. Sur une autre, parce que, ok. On retourne régulièrement. Alors, si vous n'êtes pas totalement frustré, on procédera à un demi-tour de table sur une autre question. Voilà. Oui, juste un peu frustré, pas trop. Ouais, c'est trop, bon, d'accord, ça va. Moi aussi je suis frustré parce que j'aurais voulu qu'on vous ait... Pardon, c'est pas grave. Alors, pour faire le point, je voudrais citer les 10 raisons que Milando évoque de militer pour le revenu inconditionnel. Et vous voyez que ces 10 raisons sont d'ailleurs plus ou moins, croisent plus ou moins ce que vous avez dit, et en même temps précisent des choses. Alors, je ne vais pas commenter parce que ce serait trop long, mais nous aurons l'occasion dans la discussion d'avancer. Alors, reconnaître un authentique droit au revenu, c'est-à-dire en quelque sorte ajouter à pléthore de droits reconnus par la Déclaration universelle, la Déclaration européenne des droits sociaux, etc., la Convention européenne des droits, d'ajouter un droit au revenu. Alors, il y a déjà quelque chose d'un peu semblable, y compris dans la Déclaration universelle, mais pas dans des termes aussi généraux et précis. Garantir à tous un niveau de vie décent. Alors là aussi, c'est une raison. Qu'est-ce qu'un niveau de vie décent, évidemment, ça pose la question du montant. On sera amené probablement à y revenir, aujourd'hui ou une autre fois. Faire disparaître la stigmatisation des plus pauvres. Alors ça, c'est évidemment fondamental, parce que ça veut dire en particulier que, étant donné que ce revenu viendrait à tout citoyen et d'une manière automatique, et il n'y aurait pas ce qu'on découvre parfois, c'est que des gens qui sont dans la difficulté ne connaissent même pas les aides dont ils pourraient bénéficier, etc. etc. Sorte de chose. Supprimer le chômage comme problème économique, c'est ce que je disais, ça supprime le chômage comme problème économique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'évertuer de créer des emplois, évidemment.
ça suppose, ça supprime le problème. Réfuter le chômage comme problème social. Hein, c'est-à-dire que est-ce que ne pas avoir de travail est un problème au regard, si on développe par ailleurs des activités qui sont non rémunérées, est-ce que c'est un problème pour la société? Probablement non, parce que beaucoup de gens qui ont une activité qui n'est pas rémunérée sont utiles à la société, et probablement aussi parce que dans la construction d'une personne, il n'y a pas nécessairement la dimension travail au sens du salariat. Hein. Adopter une échelle de salaire plus juste, on peut lier à ça, au revenu minimum, quelle qu'en soit la forme, l'idée d'un revenu maximum, dans toutes ses modalités là aussi, hein, il y a des choses à voir. Adopter une échelle de salaire plus juste, lui je vous disais, réduire les inégalités de revenus, bon, ça c'est bien sûr évident. Favoriser l'égalité des chances, puisqu'il y a justement ce libre choix entre travail ou pas travail, c'est-à-dire en fait, entre autres, entre formation et travail, hein, ce qui est tout à fait important. Favoriser l'autonomie sociale et financière des individus. Bon, alors, c'est là où on doit accrocher la chose aux besoins. Quels sont les besoins essentiels? Garantir l'accès aux biens et services essentiels, sous titre Milondo, hein, et on est là. Lutter contre l'aliénation au travail et à la consommation. Vous voyez qu'il n'y a rien de très original par rapport à ce que vous-même avez dit. Alors, moi, je vais vous dire aussi pourquoi, en tant qu'Européen, en tant que, plus précisément, en tant que président de Puissance Europe, nous avons beaucoup discuté de ça entre nous, c'est pourquoi nous militons pour un revenu de citoyenneté. Le mouvement pour un revenu de base... c'est sa vocation. Nous, ce n'est pas évident. Hein. Donc, alors, je vais expliquer parce que c'est important pour le débat sur l'Europe. Hein. Alors, je dirais que, de manière générale, la construction européenne a été, pendant trop longtemps, décidée et conduite sans la participation du public, je veux dire, sans donner lieu à un vrai débat. Et aujourd'hui, ça se retourne parce que les dégâts des politiques d'austérité, perçus comme le résultat politique déflationniste, proprement dit, mais comme une conséquence de l'euro, hein, ce qui évidemment n'est pas aussi évident qu'il paraît, engendre un rejet de l'Europe et de l'euro. Hein, et nous sommes là-dedans. Alors, c'est-à-dire, comme la monnaie est un contrat social, ça veut dire que nous sommes dans le rejet du seul contrat social existant entre les Européens. Donc c'est tout à fait grave pour la construction européenne. Et ce contrat social, c'est en tout cas le seul qui soit tangible au quotidien, puisque tous les jours, on manipule les euros. Bon, voilà. Il faut se tourner par conséquent vers autre chose, c'est-à-dire vers un contrat social, non pas implicite, comme l'est la monnaie, mais explicite, qui change la vie de tous au moment où se développe, comme on l'a rappelé, la précarité, la pauvreté, l'exclusion. Ce contrat social, pour nous, après avoir fait le tour des possibilités, c'est ce qui nous paraît le plus... le revenu de base nous paraît être le plus clair contrat qui puisse se passer ou se sceller entre Européens. Par ailleurs, je dirais que le revenu de base, c'est un transfert qui n'est pas un transfert interterritorial, qui n'est pas un transfert entre catégories sociales, nommément désignées. Hein, c'est un transfert inter-individuel qui passe par la fiscalité et par le ce revenu. Et par conséquent, c'est de nature à s'attaquer à une difficulté majeure de la situation présente, c'est que dans la phase de désintégration de l'Europe que nous connaissons,
les nations se crispent autour de tout transfert d'État à État. Hein? Vous connaissez, il suffit d'évoquer la politique de M. Schäuble pour comprendre qu'il n'a pas du tout envie que l'Allemagne donne à la Grèce, par exemple. Hein? Bon, voilà. Alors, je dirais que, évidemment, c'est différent si par son impôt, à condition de le payer, bien sûr, l'armateur grec paye pour le SDF de Hambourg. Hein? Voilà. C'est différent. Ça ne se voit pas, mais c'est ça ne provoque pas justement ces réactions nationalistes de rejet de transfert d'État à État. Hein? Donc, je pense que c'est tout à fait important. Et je voudrais établir un parallèle, parce que, si on a pour parler de revenus de base, mais pas seulement, c'est dans le cadre européen qu'il s'agit de faire, la crise de la zone euro et la crise de l'Union européenne qui en résulte, parce que ça a des répercussions en chaîne, c'est un peu, je prendrais cette figure, notre guerre de sécession. En ce sens que, si on relit l'histoire constitutionnelle américaine, on se rend compte que la fédération a fait l'impasse sur le contrat social, puisque la question d'esclavage a été mise de côté pour que les conventionnels puissent conclure à Philadelphie et établir une constitution. Sinon, ils y seraient peut-être encore. Hein. Voilà, enfin, ils seraient restés autour de la table beaucoup plus longtemps. Donc, la question, on peut dire que la guerre civile américaine est née de l'oubli de l'esclavage, de l'oubli du contrat social dans la Constitution. Alors, je pense qu'il n'est pas imaginable aujourd'hui de réparer l'Europe, de l'achever, pas au sens de la tuer, mais en lui donnant une Constitution, sans sceller au préalable un contrat social. Alors, on a pu penser que ce serait l'euro, et moi personnellement, qui ai beaucoup travaillé pour l'euro, enfin, en tout cas pour l'union monétaire, j'ai longtemps pensé que la monnaie étant un contrat social, ce serait un contrat social, mais il aurait fallu que, pour cela, que l'unité politique s'en suive, ce qui n'a pas été le cas, et encore une fois, je ne veux pas entrer dans le débat, mais encore une fois, la responsabilité, notre responsabilité en tant que Français, est énorme. Disons que tout le monde pensait, ressortait l'exemple de la Zollverein et de l'exemple allemand, mais on oublie qu'effectivement, sur guerrière et nationaliste, comme contrat social, derrière les processus d'unification économique. Mmh. Oui, mais il y a toutes sortes de parallèles, on peut établir un parallèle aussi avec l'Allemagne. La constitution de l'Allemagne autour de la Prusse, ça ressemble plus à l'hégémonie inintentionnelle de l'Allemagne d'aujourd'hui en Europe, plus qu'à une fédération. Hein, je voulais ajouter encore une considération avant de passer à autre chose, c'est qu'une... On dit souvent qu'une démocratie européenne n'est pas possible sans peuple européen. Or, la mise en œuvre d'un revenu de base à l'échelle européenne, c'est précisément quelque chose qui créerait le peuple en reconnaissant un droit au revenu à tous les citoyens européens. Voilà. Donc, je crois que, voilà, contrat social, contrat de citoyenneté, constitution sont des choses qui... pour moi, vont ensemble si on voulait reprendre le chemin de la construction européenne de manière le plus rationnelle. Alors, maintenant, il y a tout un débat sur, évidemment, les modalités de ce revenu de base. Alors, peut-être que le deuxième tour de table, celui dont vous avez été frustré tout à l'heure, pourrait porter sur... Comment voyez-vous les caractéristiques du revenu de base pour qu'il soit viable ? Quels sont les éléments de définition qui vous paraissent essentiels ? Toi, c'était le dernier. Alors, on continue. Oui. On continue. Oui.
Carrière. Moi aussi, je suis membre du mouvement pour le bas. Vous observez. Dans les modalités, alors pour moi, le mouvement de base ne remplace que le RSA. Touche pas le reste. C'est pas un outil pour foutre en l'air la protection sociale. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc dans ma vision, ça ne remplace que le RSA. Les aides au chômage, c'est tout chaud. Alors peut-être que ça pourrait absorber des aides au logement aussi pour avoir une base plus élevée. Oui, à condition d'avoir une politique de logement. Oui, mais il faut aussi avoir une politique de logement. Alors ça, c'est pas grand-chose. Oui, pas facilement. Donc ça, c'est le premier point. Après, évidemment, avoir une base européenne, ça pourrait être utile comme petite construction de l'Union européenne. Et j'ai profité pour dire un truc que j'aurais voulu dire dans le premier tour de table. C'est que pour moi, le revenu de base n'est pas une réponse au chômage. C'est pas une réponse à l'augmentation du chômage, l'augmentation du soutien social. Voilà, ça peut être une réponse que j'estime que même si on n'est plus en emploi, il faudra un revenu de base. Et pourquoi il faudra un revenu de base? Parce que le revenu de base, c'est pas l'outil qui permet de se passer d'un emploi, c'est l'outil qui permet de choisir son travail. C'est l'outil qui permet de se dire, bon, on propose un emploi. Choisir son travail ou choisir si on travaille? Je pense que tout le monde a envie de travailler, parce que oui. Le sens du travail, c'est pas difficile à définir, mais tout le monde a envie d'être intérieur, d'apporter sa contribution. Mais il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans des emplois qui n'ont aucun sens, soit parce qu'ils sont exploités, ou parfois ils ne sont pas vraiment utiles. Ils sont utiles pour leur patron, mais ils sont utiles pour la collectivité, pas nécessairement. Et donc c'est la possibilité de pouvoir aussi inventer son travail, un travail rémunéré ou non, faiblement rémunéré, ou choisir des collectifs qui travaillent différemment, qui ont des projets qui nous intéressent, etc. Inventer ou choisir une forme de travail. Et donc c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, écarter la question du chômage de la question de revenu de base, parce que le revenu de base n'est pas de réponse à la question du chômage. Pourquoi c'est dans la liste? Pourquoi c'est dans la liste de monsieur... Il ne dit pas que ça résout le problème, il dit que ça évacue le problème. Ça évacue le problème. C'est autre chose. On peut créer des emplois ou ne pas créer des emplois, ça n'a strictement rien à voir avec la création d'un revenu de base. Je pense que c'est dans ce sens-là que les gens du mouvement du Rotterdam militent. Si je devais ajouter un point, alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de gens qui sont exclus de l'emploi, mais aussi il y a des problèmes d'exclusion sociale par manque de formation, par manque de beaucoup de choses. Et ça, c'est pas le revenu de base qui va le résoudre. Parce que les gens qui sont exclus souvent touchent déjà des allocations pour le RSA, c'est l'accompagnement. Et donc, c'est pas, il ne faut pas croire que le revenu de base est une réponse à la problème d'exclusion sociale. C'est pas une réponse, c'est pas une panacée. Voilà. C'est simplement la solution qui pose tout un ensemble de problèmes connexes, aide à les résoudre en se libérant d'un certain nombre de contraintes, et par conséquent, suppose aussi tout une brochette de politique d'accompagnement, pas seulement au sens de l'accompagnement tel que vous venez de l'évoquer, mais de politique d'accompagnement, par exemple, du logement, par exemple, l'encadrement des loyers, je veux dire, par exemple, des choses comme ça. Bon, il y avait plein de choses. Bon, alors on continue, parce que sinon, on tiendra pas. Alors moi, je suis pas membre du mouvement Pensez pour l'Environnement, mais j'ai l'occasion de pas mal étudier la question. On s'est eu au téléphone, tu dis pour ça, c'est ça. Ah d'accord. Bref, on en discutera après. Voilà, alors je suis pas forcément, je suis indécis, je disais tout à l'heure que j'étais indécis, parce que je pense qu'en effet, ça dépend des modalités concrètes d'implémentation de cette mesure. Pour moi, c'est un outil, en fait, c'est neutre. Et effectivement, je pense que c'est intéressant dès lors que le montant est conséquent et qu'il n'a pas juste pour vocation à remplacer les minima sociaux. Je pense qu'il faut, y ajouter d'autres mesures. Je pense qu'effectivement, le principal attrait du revenu de base, c'est pouvoir émanciper les personnes du moins du système salarial, peut-être même de l'idée de travail, au sens où on a forcément envie de développer des activités. Ça va dans le sens de l'universalité. C'est une des caractéristiques essentielles. Deuxième chose aussi, je pense que ça peut être intéressant dans le cadre d'un changement de paradigme, notamment par rapport à la consommation de ressources naturelles. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une sortie progressive d'un système productiviste et consumériste dès lors qu'on a une plus grande liberté dans
fin de ses activités, peut-être sortir d'un cycle de consommation intensive, si vous avez fait. Mais ce qui m'intéresserait, et là je n'ai pas vraiment de compétences spécifiques, c'est dans le cadre de l'Europe, voir quelles modalités concrètes pourraient être imaginées. Voilà, si vous voulez, comme vous le disiez tout à l'heure, imaginez une base européenne. Je vais commencer un peu dans le désordre sur deux choses. C'est une belle utopie. Moi, je pense que c'est une belle utopie, on peut y rêver. Mais les utopies et les idées utopiques peuvent être un peu dangereuses. Alors, je passe sur l'étape de la citoyenneté européenne et d'un revenu de base européen, etc. Et je me demande si ce n'est pas aujourd'hui un très bel outil pour mettre de l'huile sur le feu de la perception de l'Europe par les citoyens européens dans leur grande majorité. Et je m'explique, c'est que c'est quand même une forme de redistribution d'une façon ou d'une autre. Et qu'en gros, on redistribue, on prend un côté, on reprend le coup et on donne de l'autre. Donc il y a des modalités qui aujourd'hui, on est les citoyens de nos pays, et en particulier les plus riches de l'Europe, ne sont pas dans une volonté de philanthropie au regard de l'Europe. Et donc, la question, c'est est-ce que ce n'est pas jouer aussi à verser de l'huile sur le feu? Et du coup, je m'intéressais sur le revenu de base plutôt dans des contextes un petit peu plus homogènes, c'est-à-dire nationaux, en disant que par contre, c'est sûrement des très bons outils de simplification. De simplification administrative majeure, parce qu'on a des centaines en fait de mécanismes de redistribution qui font plus vivre ceux qui les distribuent, les contrôles, que ceux qui les reçoivent, et qu'à un moment donné il faut arriver à trouver quelque chose d'un peu harmonieux, surtout que c'est des outils d'inégalité des droits, d'humiliation, de blocage en tout genre, de contrôle administratif, de harcèlement, de mensonges politiques quotidiens. Donc j'ai envie de dire, ça a sûrement un sens dans la simplification, et je ne suis pas sûr, je ne suis pas économiste, mais j'ai dans l'idée que ça ne coûterait pas forcément beaucoup plus cher d'avoir un revenu de base pour tout le monde, en supprimant tous les outils qui servent aujourd'hui à distribuer et contrôler les centaines de mécanismes. Ce n'est pas un remplacement. D'accord, mais moi je le pense justement un petit peu aussi comme un remplacement à un certain nombre de choses, parce que dans mon métier qui est la santé et le social, le coût de cette redistribution de centaines de mécanismes est absolument invraisemblable. Et c'est un coût humain et social. Donc voilà. Mais je fais une petite digression là-dessus, mais c'est je crois Didier Tabuteau qui avait écrit avec un de ses camarades. Le fait que si aujourd'hui on supprimait les mutuelles et qu'on réintégrait la sécurité sociale originaire, c'est-à-dire qui rembourse tout à tout le monde, en fait, ça coûterait exactement la même somme. C'est-à-dire parce qu'on supprimerait en effet les doublons en termes d'emploi, le traitement par la sécu puis par les mutuelles, les pubs, les machins. Enfin, ouais. Et donc en fait, que de simplifier les processus, permettrait en effet de revenir à un certain nombre de choses. Donc on peut avoir cette logique-là aussi, parce que notamment, il y a ce que tout le monde a un peu dit, mais c'est la question aussi du taux de recours. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la plupart des allocations, en gros, il y a une personne sur deux qui la reçoit effectivement par rapport aux gens qui sont susceptibles de la recevoir. Ça avait fait une polémique à l'histoire du revenu la prime d'activité qui remplace, ou en fait le gouvernement budgétairement, mais pour le coup assez honnêtement et logiquement, prévoit en effet qu'une personne sur deux va la recevoir. Alors qu'évidemment on devrait être à 100%, mais c'est le cas pour tous les processus d'aide, que ce soit l'aide au logement, etc. Tous les processus sauf ceux qui sont automatiques, en effet il y a un taux recours qui est finalement assez faible pour plein de raisons. Donc c'est vrai que le revenu de base pourrait permettre d'une part de simplifier le système, et d'autre part, parce que ça remplace quand même un certain nombre de allocations.
et d'autre part, eh bien, d'assurer en effet que tout le monde touche finalement ce qui lui est dû. Ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas. Quand on parle des assistés, bah, y a aussi des gens qui devraient avoir des allocations auxquelles ils ont droit. C'était une petite digression. Mais donc, les mécanismes de versement des droits sont accompagnés et de façon très hypocrite par les administrations qu'ils font, avec l'idée que comme tout le monde n'en bénéficie pas, on inclut budgétairement le fait que tous ceux qui pourraient en bénéficier n'en bénéficient pas. Donc ça devient une triche permanente et dans tous les plans, de façon généralisée, très hypocritement. Alors, mais on sent bien que, comme on n'a pas les mêmes mécanismes au niveau de l'Europe, tous les pays ont des mécanismes différents et des montants de redistribution très différents aussi, parce qu'il y a plus ou moins d'inégalités, plus ou moins de problèmes à résoudre. J'ai un peu de mal à voir comment l'Europe d'aujourd'hui, alors, à part être très utopique, et je veux bien l'être, mais en plus la question du montant devient essentielle, puisque à ce moment-là, c'est sûr qu'avec un montant, un salaire de base minimum, il vaut mieux aller vivre dans une ville grecque. Enfin, là, au niveau européen, Bernard, je pense qu'on serait quand même dans une logique de parité de pouvoir d'achat, par exemple, enfin, ou en pourcentage de base d'un salaire médian. Ce serait certainement l'enjeu d'une négociation. Oui, parce que c'est sûr que si on donne. Sur la base de quelles statistiques C'est sûr que les 1000 euros d'un Bulgare, c'est pas les mêmes que les 1000 euros d'un Danois. Comme les 1 000 euros parisiens, c'est pas les mêmes que les 1 000 euros d'un Dauphinois ou d'un. Mais d'ailleurs, de plus en plus, je me suis dit, j'ai vu qu'il y a des débats aussi sur la modulation des aides en fonction des zones où on habite, y compris en France. Hein. D'ailleurs, en tant que noble représentant de la fonction publique française, j'ai une toute petite prime qui n'est pas la même parce que j'habite Paris par rapport à celui qui habite Marseille et par rapport à celui qui habite Clermont-Ferrand. Alors, c'est pas grand-chose en termes de montant, mais il y a quand même cette idée-là qu'il y a un coût de la vie à intégrer. Il va évoquer le remplacement. Inondou, pour le citer, dit que ça remplace les allocations familiales parce que le revenu de base est violemment donné pour les citoyennetés et les citoyens, y compris les mineurs, même si le montant pour les mineurs peut être de moitié. Donc ça remplace les allocations familiales, ça remplace les aides au logement, vous pouvez plafonner les loyers que. Maintenir des aides au logement qui ont des effets pervers en termes du côté des de marché immobilier. Et la question, il y a quelque chose en tout cas qu'il ne faut pas remplacer, par exemple, pour ça que le problème se pose cas par cas, c'est l'allocation aux handicapés. Parce que là, évidemment, s'ils sont handicapés, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas travailler, la plupart, pas tous, mais la plupart. Et donc, le problème se pose. Bon, voilà. Alors, on continue le tour de table, bien sûr. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas de grande expertise, c'est pour ça que je suis parmi vous. Moi aussi. Je rejoindrai peut-être pour vous par la suite. Vous avez évoqué tout à l'heure les pièges, les insuffisances de ce revenu de base, si vous pouviez un petit peu nous éclairer. Par ailleurs, vous dire quand même que, sans avoir l'expertise, l'idée que j'ai découverte il y a un peu de temps m'enthousiasme. Et vous dire pourquoi ça m'enthousiasme, c'est que je viens d'une commune plutôt déshéritée, de banlieue, et j'ai fait un petit peu, j'en ai parlé comme ça à quelques personnes. C'est très porteur. Je voudrais juste vous citer un passage d'un livre que vous connaissez peut-être de Richard Santaki et de Brahim Chiki. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est Benjamin Stora qui avait préfacé ce bouquin. Ça s'appelle « La France de demain » pour réconcilier la République et la banlieue. Et je trouve ce passage très éclairant. Ils écrivent comme ça « Le jeune adulte, comme beaucoup dans nos quartiers, a été conditionné à tendre la main. Son esprit d'initiative et sa capacité à s'éduquer pour son propre bien ont été tués dans l'œuf.
sans s'en apercevoir, il a été clochardisé culturellement et intellectuellement. Il ne croit plus en lui et en sa capacité à changer son environnement. Voilà, je voulais vous livrer cette note. On parle beaucoup aujourd'hui avec l'actualité, le système de clientélisme électoral exacerbé. C'est vrai que je viens de Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai qu'on a affaire à une clientèle dite captive. Quel mot horrible, mais quelle situation horrible de fait, où c'est le maire et son équipe qui actionnent toutes les manettes dans un esprit qui, selon moi, n'est plus du tout démocratique et républicain. Et je pense que cette idée, alors il y en aura certainement d'autres, j'espère, pourrait participer à revitaliser la démocratie, la République, en mettant de l'air, de l'air neuf. Mais n'oubliez pas ma première question, les pièges de ce renouvellement. Les pièges, je ne sais pas si je dois répondre. Je peux que certains aient d'autres pièges. Des pièges. Oui. On continue sur donc le deuxième. C'est les caractéristiques, oui, c'est les caractéristiques. Hein, et on parle des modalités. Moi, je vous avouerai que je suis sec sur les modalités et que c'est un peu pour ça que je suis ici. Par contre, dans ma réponse au premier tour de table, je voyais la bonne idée intuitivement. Parce qu'elle sous-tendait pour moi, et c'est une interprétation, de la simplicité, de la transparence. Et j'aurais conclu en disant maintenant, quid des modalités, quid des cibles. Donc c'est pour ça que je ne saurais pas vous répondre ou vous donner un avis éclairé ou non sur les modalités. Et j'attends justement vos informations et vos points de vue. Moi non plus, j'ai aucune compétence sur le sujet, mais il me semble que ça a été dit que ça devrait quand même être une occasion de simplifier un système d'aide qui est beaucoup trop complexe, et puis que ce soit revenu d'essence. Oui, c'est après la même chose. Alors en fait, moi je voyais ça effectivement comme quelque chose de global, et puis tout à l'heure on a parlé des aides de la protection sociale qui ne seraient pas dedans. Je dois dire que ça m'a. Enfin voilà, c'est des sujets qui me posent question, mais je n'ai pas de réponse. Oui. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas dedans? Le principe général, pour répondre simplement à ça, c'est que si le revenu de base est universel, il va évidemment remplacer les couvertures universelles. Et il ne remplace pas celles qui ne sont pas universelles. Enfin, c'est l'idée que je me fais de la chose. Après avoir lu, mais peut-être que les représentants du mouvement peuvent compléter le cas d'échéance quand on aura fini, sinon bon, ensuite. Bien, alors moi je faisais partie de ceux qui avaient des doutes tout à l'heure quand on était là. Donc là, sur les modalités, je voulais donc dire deux choses. Le premier point qui me gêne un petit peu, c'est que si le revenu est universel, ça veut dire que tout le monde perçoit, quel que soit à la base, son patrimoine et les familles dont ils sont issus, c'est-à-dire les riches comme les pauvres, pour schématiser. Et deuxième point qui me posait souci, c'était en fait la question du financement, parce que je suppose qu'à partir du moment où on veut instaurer un tel revenu, on souhaite qu'il soit pérenne. Or, par définition, la situation économique aujourd'hui, avec des taux de croissance extrêmement faibles, n'a rien à voir avec la période Jospin où le taux de croissance était à 3%, quoi. Et donc, ça me pose personnellement la question de savoir comment on finance. Voilà, pour faire très basique. Moi, ce sujet est intéressant et même à promouvoir, mais comme tous ces sujets-là, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut les promouvoir que dans le cadre européen, et ça serait une façon, alors, astucieuse ou vicieuse, de contraindre les divers Européens à aller vers un certain fédéralisme ou un très grand fédéralisme pour pouvoir l'appliquer. Et c'est un sens que je trouve intéressant. Mais c'est loin d'être facile à mettre sur pied. On pose tout problème de la stratégie de construction européenne. Bon. Oui, moi ce que j'aime bien, c'est quand même, dans ce revenu de base, c'est de retrouver en fait l'idée du progrès quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de crise, etc., mais très peu de progrès, donc on retrouve cette notion, comment dire, du progrès social. Un petit peu ce qui s'est passé avec le Conseil national de la résistance, avec la sécurité sociale, etc. Un certain nombre de grandes mesures.
Mais il faut que ça soit, pour moi, une mesure assez audacieuse. C'est-à-dire que si c'est uniquement pour substituer les aides actuelles par rapport aux gens qui sont dans la précarité et l'extrême pauvreté, je trouve que c'est largement insuffisant parce qu'on va perdre cette idée de progrès. Donc je pense qu'il faut lui donner, en fait, une certaine audace par rapport à l'idée. Donc cette audace, pour moi, elle se traduit, en fait, par des unités de mesure, en fait, existantes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y en a deux. Il y a le SMIC. Pour moi, on a créé le SMIC parce que c'est une façon de déterminer un revenu minimum pour que les gens puissent vivre. C'est, pour moi, c'est le côté existentiel du SMIC, c'est ça. Donc pour moi, c'est une notion de revenu minimum de base doit se traduire par le SMIC. C'est-à-dire qu'en fait, si ce n'est pas le SMIC, on perd l'audace, on perd cette notion du progrès. Il y a une autre unité de mesure, pour moi, qui est pour les personnes âgées, qui est le minimum vieillesse. Qui est un scandale d'une façon générale, puisqu'en fait, on dit qu'avec le minimum vieillesse, les gens ne puissent pas vivre. Donc, très naturellement, si on part du principe que l'Europe, sous sa forme, comment dire, fédéraliste ou actuelle, etc., on est quand même la première puissance mondiale ensemble, on se doit de pouvoir, en fait, avoir cette audace-là pour créer, en fait, des situations nouvelles avec une notion véritablement de progrès. Donc, après, pour moi, le deuxième point qui me paraît important, c'est que l'Europe, c'est quand même une situation assez hétérogène, avec des états économiques en fait différents, etc. On voit bien que l'Allemagne a créé le SMIC quand même très récemment, avec comment dire, un certain nombre de pressions. Donc on voit bien qu'il y a une situation sociale par pays, disons, par rapport aux politiques, qui a une perception du social totalement différente. Donc moi, ce qui me fait très peur par rapport à l'idée européenne, le fait que si on attend que tout le monde soit d'accord, il va se passer un temps considérable avant l'application réelle de la mesure. Donc moi, c'est vraiment ce côté comment inscrire ce type de mesure dans un cadre européen avec une tactique qui va permettre que chaque pays va pouvoir avancer par rapport à sa situation politique, économique et sociale. Donc ça, c'est voilà. Et donc je termine. Et puis après, alors, comme il y a cette audace qui est là, se pose en fait pour moi ce qui est vrai la question du financement. Donc en fait derrière, ça rejoint aussi par rapport à la notion du progrès, par rapport à la notion de la productivité, par rapport à la notion de la richesse, il faut y associer obligatoirement des mesures de financement qui soient pérennes et donc au niveau européen. Alors juste voilà. Un point, parce que tempus fugit, il nous reste une grosse dizaine de minutes dans l'horaire, donc ce que je vous propose, c'est qu'on termine, qu'on ne frustre pas quand même les deux derniers. Je demanderai qu'ils jettent un regard noir. Comme ça, au moins, tout le monde aura pu s'exprimer. Vous savez qu'à ce moment d'Europe, c'est très important que les gens s'expriment. Je vous propose qu'ensuite, on passe à Benoît, qui fait partie du bureau de Sauvons l'Europe, qui puisse nous présenter un peu ses travaux. Parce que lui, ce que je vous disais en introduction, il a travaillé notamment sur ce qu'on pourrait faire sur la jeunesse et justement les retraités. Et parce qu'évidemment, là, on n'a plus, mais ce qui était le but de la réunion, c'était d'effleurer le débat. Moi, ce que je... Ce que je propose, c'est que Bernard, si tu es d'accord, tu nous fasses un peu une synthèse de ce que tu nous as dit, oui. et des arguments qu'on t'a avancés, oui. Pour et contre, d'ailleurs. Enfin, pour, et c'était pas tellement contre, c'était plutôt les risques inhérents, les interrogations, et que ce débat continue sur le site de Sauvons l'Europe. Sachant, je vous dis en exclusivité mondiale, c'est que dans les semaines qui viennent, on aura un nouveau site internet. Il y a une partie de commentaires qui est assez bien faite, donc on poursuit ce débat là-dessus. Et d'ailleurs que tous les amis là, de l'association là, en faveur du revenu de base qui sont présents, n'hésite pas, et oui, puis même, je pense, participe, et n'hésite pas d'ailleurs à s'accaparer le sujet. Alors, dans le même esprit, il y a à l'UEF un groupe, un comité de réflexion sur le revenu de base, auquel j'ai pas encore mis les pieds, mais je compte y aller. Ça permettrait. Ça permettrait le cas échéant là-dessus, il y a quand même deux choses qui sont très importantes selon moi. C'est qu'évidemment, il y a les modalités techniques. On voit qu'il y a plein de questions qui se posent, etc. Sauf que les modalités techniques, faisons attention de ne pas tomber de la technocratie avant d'avoir défini un
corpus, j'ai pas peur du mot idéologique, une utopie, qui permet à la fois de dire voilà pourquoi cette mesure serait une bonne mesure, avec les grandes lignes directrices. Parce que sinon on tombe, et alors je sais pas comment ça se passe chez les partisans du revenu de base, mais ça doit être un peu comme chez les fédéralistes ou chez les trotskistes, on est trois, on fait quatre organisations parce qu'on n'est pas d'accord avec telle virgule ou avec tel machin. Donc ça, je pense qu'il est important de mettre le débat, ce qu'on fait ce soir, sur la table. Mm-hmm. Ensuite, de se dire, nous sauvons l'Europe, organisation européenne et progressiste. On prend éventuellement position en faveur d'un revenu de base qui concernerait telle population, qui serait financée de telle manière, qui concernerait tel montant, qui serait pour telle personne. Mm-hmm. Et éventuellement, philosophiquement, remplacer telle prestation. Ensuite, une fois qu'on a avancé là-dedans, rien n'empêche les spécialistes du sujet de nous expliquer dans des documents de 200 pages comment on peut le mettre en œuvre, etc., etc. Mais nous, on a quand même une vocation grand public et aussi de lobbying politique, parce que ça va pas, nous sommes assez soutenus par exemple de responsables politiques, et ceux qui ne nous soutiennent pas, ça ne nous empêche pas d'aller vers eux pour leur proposer un certain nombre de choses. Et donc si on décide de porter cette chose-là pour la présidentielle, c'est évident qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit vendu simplement, avec un argumentaire crédible, solide, mais pédagogique et simple. Donc, pour cela, évidemment, ça ne peut pas se régler en 1, 2, 3, 4, 5, 6 réunions, mais c'est vrai que par l'avantage du document que tu nous donnerais, qui nous permettrait de s'appuyer dessus, et des échanges qu'on peut avoir en interne avec notamment notre expert, donc il va avoir la parole, c'est Benoît, et puis les échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble de la communauté intéressée par ce sujet, ça nous permettrait d'avancer et peut-être d'essayer d'avoir, je pense à horizon rentrée, septembre 2016, un certain nombre de propositions qu'on puisse avoir après en vue des présidentielles. Donc je laisse peut-être tout de suite la parole à André et à monsieur, et ensuite Benoît pourra nous présenter un peu ses travaux, mais dont vous avez bien compris qu'il ne sera qu'une ébauche et on va pouvoir échanger sur notre site. Ils étaient favorables aux revenus de base. Je me demande si je n'ai pas voté un peu vite, parce que ignorant les modalités, j'aurais peut-être pas dû. Bon, parce que disjoindre la rémunération et le travail, c'est sympathique, c'est une utopie. Mais les utopies, c'est quand même un peu dangereux. Hein. L'histoire du XXe siècle nous l'a montré. Et je crois que pour éviter que ça soit une utopie, déjà, il faut que ça soit simple. Alors, moi, je me souviens, il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai entendu des exposés de Godineau, de Roger Godineau, ce qu'il appelait l'impôt sur le revenu négatif. Et c'était assez concret, mais je ne suis pas capable de vous raconter, je vais vous chialer. Mais ce dont je me souviens, c'est que c'était un truc qui évitait les discontinuités. Et dans l'esprit de Godineau, c'était très important. Il me semble aussi que c'était couplé un gros truc qui était le remplacement de l'impôt sur le revenu, je dirais, normal, progressif, par un impôt sur le capital. Alors, est-ce que par une flat taxe. Comment ? Par une flat taxe. Ah non, 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 Godineau parlait d'impôt sur le capital. Non, certains néolibéraux parlent... Oui, écoutez, moi, je ne suis ni économiste, ni philosophe, alors ce que je dis est vaseux, je le sais. Ceci dit, le diable est dans les détails. Tu as raison qu'il ne faut pas aller trop loin dans les modalités techniques et financières, mais il en faut quand même un tout petit peu, parce que sans ça... Comment on va faire pour répondre à la question suivante ? Est-ce qu'on est capable de faire un revenu de base à 400 euros ou est-ce qu'on est capable de faire un revenu de base à 1500 euros ? On vous posera la question. Comment ? Ben évidemment. Or, la réponse à cette question, je m'excuse, elle est technique et financière. Bon, ben voilà. Je ne perds pas plus de temps. Merci. Monsieur, je vais prendre le relais de ce qui vient d'être dit là. Effectivement, 400 euros, 500 euros, ce n'est pas la même chose. Je vais pas jusqu'à 500. 400 euros, ça pourrait être effectivement ce que vous avez obligé, je sens qu'il y a un consensus sur le revenu de base, n'a pas vocation à remplacer des prestations existantes. Ou en tout cas, des prestations. Voilà, des prestations
qui sont ciblés sur la précarité, on en a évoqué quelques-unes, oui, mais pas d'autres. Alors, moi, je trouve que, et si on allait sur un niveau de l'ordre de 1000 euros, on a parlé du SMIC, ou on a parlé du minimum vieillesse, qui est à 800 euros, c'est pas en même temps, à l'heure actuelle, alors on commence à mordre sur des prestations qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que si on allait jusque-là, ça pourrait éventuellement, mais ça c'est franco-français, c'est pas forcément européen, peut-être permettre de résoudre aussi partiellement le problème du financement des régimes sociaux. Parce que je sais qu'avec les mesures récentes, les régimes de retraite sont quasi à l'équilibre, mais ça ne durera pas indéfiniment. On sait que de toute façon, avec ces mesures-là, les retraites, la presse vient de s'en faire l'écho il y a deux jours, les retraites à terme auront perdu beaucoup de leur pouvoir d'achat. C'est pas neutre de dire si sur une retraite moyenne de 1800 euros, j'ai déjà 1000 euros qui sont financés par l'impôt et non pas par les cotisations sociales, c'est pas neutre en termes d'équilibre des régimes sociaux. Bon. J'ajoute qu'on a dit que l'objet n'était pas d'influer sur le chômage. Peut-être, si ceux qui nous le disent ont raison, au moins pour partie, si on allège les cotisations sociales, donc qui pèsent sur le travail, donc les fiscalités sur le revenu qui seraient plus équitables, alors peut-être doperons-nous un peu l'emploi, et de ce point de vue-là, même si ce n'est pas l'objet, agirons sur le chômage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une chose. Le revenu de base, comme beaucoup de solutions, peut avoir des effets pervers, mais il peut aussi avoir des retombées collatérales, on va dire, qui ne sont pas nécessairement intentionnelles, mais il faut les évaluer pour pouvoir... décidé. Et puis une dernière chose, mais parce que c'était le premier tour, je n'ai pas fait l'esprit. Quelqu'un, c'est vous, monsieur, qui parliez du problème de la réticence qu'il y avait à servir un revenu à des gens qui ne travaillent pas. J'ai entendu dire que quasiment tout le monde sur l'idée était favorable. Bien sûr, c'est séduisant. Il ne faut pas mésestimer. En France, en particulier, le chemin de la France, les autres pays, je connais moins, les réticences qu'on pourrait voir venir des appareils syndicaux. Je suis moi-même un militant syndical de la CFDT, et je peux vous dire que cette idée-là est loin d'avoir fait son chemin au sein des appareils, et je ne dirais pas pourquoi, ce serait trop loin à expliquer. Oui, je sais ça. Merci. Alors, c'est pas simplement pour une question morale. Pas seulement, non, pas seulement morale. Pas seulement morale. Alors, il y a un point qui a été rappelé, qui nous a semblé extrêmement important, c'est que, et c'est pas seulement pour des questions historiques, c'est que la question du revenu universel, quel que soit son nom, a été historiquement portée beaucoup par les premiers fédéralistes. Pourquoi ? C'est pas uniquement un hasard, c'est qu'en fait, l'Europe, au-delà de la première phase au XIXe siècle et dans les années 20, où c'était quelque chose d'extrêmement minoritaire, l'Europe est une création issue de la Seconde Guerre mondiale. Et elle correspond à ce que nous appelons chez nous le pacte de 46, parce que c'est la même période. En fait, l'Europe et la sécurité sociale, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de séparation entre. Simplement, nous avons créé... La paix sociale et la paix civile. C'est ça. La paix internationale. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et de la Grande Guerre civile européenne, disons, nous avons créé un ensemble de sécurités collectives. Il y en a une partie qu'on a créée au niveau national, mais de manière concomitante dans tous les pays, puis on a une partie qu'on a créée directement au niveau européen, qui était principalement la paix et les droits de l'homme. Ça servait au départ à assurer ça. Mais conceptuellement, en fait, c'est un ensemble. Et aujourd'hui, que la crise repose la question des ventres vides, de manière concrète, il faut se demander, est-ce que par hasard, au niveau européen, on ne peut pas apporter une partie de réponse à ça? Et la partie de réponse qu'on peut apporter à ça, compte tenu de la complexité des différents systèmes européens, finalement, ce qu'on a identifié après avoir bien regardé, c'était effectivement le revenu universel, qui est la modalité la plus pratique, la plus compréhensible pour tous. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, inscrire dans l'utopie, et le temps long, parce qu'on voit bien, c'est ce que vous disiez, je crois, que les conditions politiques actuelles pour faire directement au niveau européen un revenu à 1500 euros payé par l'Allemagne pour les Grecs, les conditions du débat ne sont pas entièrement réunies. Donc le sujet,
c'est comment est-ce que graduellement on y arrive, de la même manière qu'on a aujourd'hui un droit universel à la santé qui n'est contesté par personne en France, quand bien même on n'a pas pu cotiser, on n'y est pas arrivé directement, que le revenu minimum vieillesse existe quand bien même on n'a pas pu cotiser toute sa vie, alors que ça n'a pas commencé comme ça. Comment on s'inscrit dans cette dynamique d'aller vers un revenu universel européen et à partir de quelles propositions de départ? Et là, je laisse la parole à Benoît. Merci. Oui, donc effectivement, le point de départ de la réflexion, c'est l'impossibilité politique de court terme d'avoir un compromis sur le sujet au niveau européen. Ce n'est pas une réflexion philosophique. Donc l'idée est quand même comment on avance par étapes. Or, là, on voit deux aspects. Si on prend du côté de la jeunesse, si on prend les chiffres français, on peut rappeler que l'âge moyen du premier CDI était de 27 ans en 2013, et ça a certainement dû augmenter depuis. Et si on prend l'autre âge extrême de la vie, l'âge extrême, j'exagère, on peut voir que les taux de pauvreté en Allemagne des plus de 65 ans atteignent 16%, en augmentation depuis 4 ans. Suite aux réformes Hartz et autres réformes. Donc avec ces deux éléments-là, comment inventer ce qui pourrait être un revenu d'existence, ces deux âges extrêmes de la vie, qui concernent des gens qui ont quand même vocation à aller sur le marché du travail pour les jeunes, si on prend un âge qui correspond à ce qui est aujourd'hui l'entrée réelle en CDI sur le marché du travail, donc environ une trentaine d'années. Parce que là, on pourrait dire à la droite, écoutez, comment vous voulez vous opposer à un revenu d'existence de personnes qui n'ont pas accès au marché du travail, puisqu'il n'y a pas assez d'emplois. Sur les autres âges, de dire un discours, écoutez, vous la droite, le discours ambiant est de dire faut accroître, augmenter la durée de cotisation, faut retarder l'âge de départ en retraite. Mais vous voyez bien les conséquences. Le taux de chômage de plus de 55 ans en France a augmenté, parce que du coup, une fois qu'on est licencié, on ne peut plus retrouver d'emploi. Donc au moins, soyez cohérents dans votre démarche. Si vous nous dites que pour des raisons d'équilibre démographique, il faut retarder l'âge de départ en retraite, permettez à ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus retrouver d'emploi puisque ce n'est plus possible, ce n'est pas le marché du travail qui dysfonctionne. Oui, entre 30 ans et 50 ans, si on n'arrive pas à trouver un emploi, les libéraux pourraient dire oui, mais c'est parce que le marché du travail ne fonctionne pas. S'il fonctionnait, vous pourriez avoir un emploi. Mais au-delà de 55 ans, quand on est licencié, ce n'est pas le marché du travail qui ne fonctionne pas. C'est structurellement, vous êtes inemployable, vous êtes trop vieux, etc. etc. Et quand vous êtes jeune, bah, vous n'avez pas assez d'expérience, etc. Donc, pour ces deux âges-là, la démarche d'un revenu d'existence, quelle que soit la forme, aurait toute sa place. Et en plus, il s'avère de manière pratique que les États versent déjà de nombreux financements publics pour financer les retraites. Donc il suffit juste de transformer une partie, pas l'ensemble, mais une partie de ces financements publics d'affaires sous forme d'un revenu forfaitaire. Et pour les jeunes, on a aujourd'hui un ersatz de garantie jeunesse qui n'appelle qu'à être développé. Jusqu'où, sous quelle forme, on retrouve les mêmes questions que tout à l'heure sur les modalités, mais on a peut-être deux leviers de discussion plus concrètes où on aura plus d'écoute
parmi l'équilibre politique tel qu'il existe aujourd'hui pour avancer tout en allant demain vers le revenu d'existence pour tous. Voilà l'état de la réflexion avant le débat. Eh bien, merci beaucoup de moi. Oui, je vais juste dire quelques points. Première chose, je m'étonne qu'on ne parle pas de la TVA comme moyen de financer un revenu de base européen, qui serait quand même un des moyens les plus simples. La TVA. Après, je me rends compte par le point, mais je voulais juste dire que pour ce qui est des questions de financement et de montant, le MFRB a prévu de lancer très prochainement un livre blanc qui dépeint un peu toutes les propositions de revenu de base actuelles. Donc il va être publié, j'arrive, on va dire peut-être un peu plus en même temps. Alors, moi, je n'ai pas le temps maintenant, mais je ne suis pas favorable à la TVA. ce que je vous propose, donc c'est ce que je disais, bon, merci Benoît pour tous ces éléments, parce que je crois que c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on a bien vu là, les échanges qu'on a eus, je vous remercie à tous de bien avoir accepté de prendre la parole et donner votre opinion sur le sujet, c'est qu'on voit qu'à la fois on se dit il y a une grande opportunité, mais en même temps il y a une crainte, et la crainte en gros c'est de se dire c'est trop beau pour être vrai. Donc soit finalement c'est un truc qui ne change rien, voilà, c'est juste un peu, bon, finalement dans ce cas-là, tout ça pour ça, soit c'est une vraie mesure de progrès social, et dans ce cas-là on se retrouve, mais comme à chaque fois qu'il y a une mesure de progrès social, c'est en gros, mais comment on la finance ? C'est-à-dire c'est la même chose qu'on instaure les retraites, qu'on instaure le SMIC, qu'on instaure la sécurité sociale, qu'on demande à ça, mais en gros, c'est pas réaliste, tout simplement. Donc en effet, je suis d'accord avec toi, André, bien entendu, il faut des arguments solides derrière, etc. Mais je pense pas quand même que... ta comparaison avec les retraites est vraie aussi. C'est qu'à un moment, il faut quand même vendre politiquement un sujet. C'est-à-dire le dire, mais voilà. C'est-à-dire que, et si on va trop dans le technicisme, finalement, on perd les gens en route, et en plus, il y a toujours un bon dire, oui, moi je suis pas d'accord, c'est pas la TVA, c'est le même. Donc déjà, mettons-nous d'accord sur un principe de compromis, quelque chose qui peut être réaliste, applicable, et intégrable à une plateforme électorale, et après, travaillons, renvoyons vers les gens, j'allais dire, dont c'est l'engagement premier, pour expliquer qu'il y a plusieurs modalités de financement, il y a plusieurs modalités, etc., etc., et après, aux responsables politiques et à l'administration de faire son job, etc. Donc, concrètement, parce que nous sommes assez pragmatiques aussi à Sauvons l'Europe, utopistes mais pragmatiques, d'une part, Bernard a gentiment accepté donc, de nous faire pour le site internet une synthèse de ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire de son intervention et des éléments, des grandes lignes qu'on a eu de débat, qu'on mettra sur le site, donc, ce qui permettra à tout le monde de réagir. D'autre part, évidemment, nous aurons la vidéo un peu de ton intervention et puis je pense aussi de celle de Benoît qui va permettre d'alimenter le débat. Et nous allons aussi continuer à creuser le sujet. Je pense à échanger là-dessus, notamment pas hésiter à nous envoyer de la documentation par internet, par mail, pour qu'on l'intègre à nos réflexions sur lesquelles on pourra rendre compte régulièrement sur le site par la publication de billets. Mais cela devant pour moi aboutir, je mets ce créneau à peu près de la rentrée 2016 parce que je pense qu'il faut borner dans le temps, à une prise de position de Sauvons l'Europe, en faveur du revenu de base ou pas, et si oui, dans quelles conditions ? Il doit être évidemment européenne, etc. Donc je laisse juste une dernière intervention, et après je laisserai le mot de la fin à Bernard. Oui, sachant, pour répondre juste d'un mot, que sur les pistes budgétaires, c'est pour ça qu'on n'en propose pas directement, parce que c'est la question générale de d'où vient l'argent au niveau européen. Il y en a en gros 4, il y a la TVA, la taxe sur les transactions financières, la taxe carbone, et à partir du moment où ce qui commence peut-être à arriver, où on va avoir les mêmes critères pour comptabiliser les bénéfices des entreprises en Europe, une partie de l'impôt sur les sociétés qui soit commune. Voilà un pourcentage de ces quatre. Vous avez un pourcentage des apports de ces quatre. Ah non, on ne sait pas du tout ce qui va se construire au niveau européen. On sait que de toute façon, la CO2 n'existe pas. Voilà, on sait que de toute façon, il y a 95% de chances pour que ce soit sur toute ou partie de ces quatre-là. Et les transactions financières. Oui, c'est ça. Oui,
Mais là, c'est pour annoncer qu'au niveau pour une base, on compte rédiger une tribune à la cosigner avec un maximum de mouvements qui sera prêts à défendre une base. On a à peine commencé à faire sur la tribune, et l'objectif c'est bien ça, de jouer sur le présidentiel, de publier la tribune dans la presse vers septembre-octobre, éventuellement l'ajouter à côté de pétition. Donc on serait très heureux de faire un partenariat avec Souvent l'Europe. Et si vous avez des contacts. Puissance Europe aussi, je suis disponible si vous voulez. Il ne faut pas hésiter, on se verra là après, mais je pense qu'il y a des choses à faire en commun. Bernard, en te remerciant mille fois de ta présence ce soir et d'avoir survécu à la traversée de Paris, je te laisse le mot de la fin. Tu vas placer très très haut. Mais il y a deux mots. La première chose, sur le terrain de l'audace, justement, de l'ambition, Jean-Manuel s'était vu un jour interrogé par quelqu'un qui lui disait, mais étonné, mais c'est un saut dans l'inconnu. Il s'agit probablement de la CECA, de la communauté de défense, je ne sais pas. Mais c'est un saut dans l'inconnu. Et il a répondu, et alors voilà, alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une citation du grand historien Tony Judd, qui se préoccupe de l'avenir de la social-démocratie dans un petit livre contre le vide moral que certains ont déjà lu peut-être. Et je vais rappeler cette phrase parce qu'elle me paraît bien resituer l'enjeu. C'est l'inégalité croissante au sein de nos sociétés et d'une société à l'autre qui engendre tant de pathologies sociales. Les sociétés inégales jusqu'au grotesque sont aussi des sociétés instables. Elles engendrent la division interne et tôt ou tard des déchirements intérieurs, habituellement avec des issues non démocratiques. Amen. Bonne soirée à tous, merci beaucoup, et puis surtout je le rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, Flickr, la nouvelle chaîne YouTube, la newsletter, et puis si vous avez en plus un peu de temps et un peu d'argent de côté, à verser votre obol, car je rappelle que nous sommes un mouvement 100% indépendant qui ne vivons de manière volontaire que des cotisations des adhérents. Voilà, nous refusons même des subventions. Merci beaucoup. Merci. Non, non, non.